Salut à toutes et à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire comme c'est écrit dans le titre, donc une idée cadeau de Noël sous forme de box. Donc moi j'adore vraiment les box, mais je trouve que le problème dans les box c'est souvent, donc on ne sait pas ce qu'on reçoit, donc c'est assez embêtant quand on veut en faire un cadeau. Et souvent ce sont des tout petits formats qu'on reçoit, donc c'est bien pour tester, mais je trouve que pour un cadeau de Noël c'est peut-être un petit peu léger d'offrir des petits échantillons et tout ça. Donc j'ai trouvé en fait une alternative, donc un site que j'adore, que j'ai déjà testé durant l'année et qui a accepté de m'envoyer donc une box pour que je puisse vous présenter un petit peu ce qu'ils font. Sachant que voilà, quand vous commandez une box, donc déjà il y en a plusieurs sur le site, plusieurs catégories, vous pouvez savoir à l'avance ce que vous aurez dans votre box et je trouve ça vraiment bien. Donc dans la box que j'ai reçue qui s'appelle Rituel Beauté, donc on reçoit un petit fascicule comme ça qui explique un petit peu... ce qu'il y aura dans la box, avec donc tout ce qu'il y aura. Et là vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de produits, tout simplement parce que dans cette box là il y a 16 produits, donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. 16 produits, enfin je trouve ça vraiment ça fait 16 cadeaux à offrir. Donc vous allez recevoir votre box dans un carton comme ceci. Donc là j'ai enlevé les produits pour pouvoir vous les expliquer un petit peu. Donc c'est quelque chose de vraiment très bien protégé. Je trouve que le seul souci pour l'offrir pour Noël par exemple, ou même à vous-même si vous voulez vous faire un cadeau, ou quelqu'un pour un anniversaire, c'est que le carton n'est pas très personnalisé, donc après à vous de trouver une jolie boîte où vous voulez mettre tous vos cadeaux. C'est peut-être le moyen aussi de personnaliser un peu plus le cadeau. On commence tout de suite avec quelque chose de bio, donc déjà je trouvais ça vraiment pas mal. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais tout est en full size, et donc là c'est une lotion que j'ai déjà essayée et que j'applique donc après le maquillage. Donc c'est une lotion biphasée et voilà, ça sent très bon. Ce sont les huiles essentielles, un peu les agrumes et tout ça. Sont vraiment très bien. Très bon. Et donc voilà, c'est vraiment des grands formats. Sachant que ça coûte vraiment cher à la base. Donc je pense que quand je l'aurai terminé, c'est hors de question que je le rachète. Ça coûte 28€. Et donc c'est une lotion purifiante à utiliser donc après le démaquillage. Donc ensuite, on a eu une crème pour le visage. Donc Nacriderm Basique Anti-Rougeur Peau Réactive et Fragile. Donc voilà, c'est aussi un tube de 40ml qui coûte 25€. Donc c'est vraiment assez cher. J'ai pas encore testé cette crème. Donc voilà, je vous montre comment elle se présente. Donc sous forme de tube vraiment. À appliquer par effleurement matin ou soir sur les zones à traiter pendant au moins 3 mois. Donc je pense que je vais essayer de le faire parce que j'ai souvent des rougeurs en hiver sous les yeux. Enfin ouais, vraiment sous les yeux, en dessous le cerne on va dire. Et donc je vais vraiment essayer cette crème, sachant qu'au prix qu'elle coûte, j'espère qu'elle fonctionne vraiment. Donc ensuite on a reçu des compléments naturels, ça je trouve ça vachement bien, de la marque Yves Rocher. Et donc ce sont des gélules compléments effet bonne mine. Ça c'est sûr que je vais essayer parce que j'adore tous ces petits trucs comme ça. Sachant que Yves Rocher, je connais la marque et généralement c'est quelque chose de bien. Donc il y a 48 gélules pour 14,50€. Donc si ça marche, pourquoi pas le racheter l'année prochaine. Donc voilà, c'est un petit tube, je ne l'ai pas encore ouvert, mais c'est des petites gélules à prendre le matin. Ensuite on a reçu un produit que je trouve vachement bien, mais pas forcément pour la saison. Donc c'est un gel effet bronzé naturel instantané de la marque donc Sun of California. Donc ça coûte 8,30€, donc c'est raisonnable si on veut le racheter. Il y a quand même tout un tube en fait. Et donc pourquoi pas essayer cet été ou ce printemps. Je pense que je vais vraiment l'essayer. Forcément pas en cette saison parce que je vois pas trop l'intérêt d'être bronzée en cette saison. Mais je trouvais ça sympa qu'ils nous mettent un produit comme ceci dans la box. Donc ensuite on a reçu un produit que je vous ai déjà présenté dans mon tas cocooning. Et donc c'est un gel nettoyant effet bonne mine que j'adore. Vraiment je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Donc de la marque Swap Minute qui coûte... normalement 7,90€, donc il y a 75ml. Et ça vraiment je suis super contente de recevoir un nettoyant pour le visage comme ça, sachant qu'il sent tellement bon. Je vais le ressentir parce que j'aime trop l'odeur.
Ah ouais, ça sent vraiment trop trop bon. Ça fait vraiment une peau super douce. Franchement, pendant au moins 2-3 jours, j'avais ma peau super douce. Je fais ça une fois par semaine et ça marche vraiment. Au prix que ça coûte, donc 7,90€, c'est raisonnable. On peut se le racheter si on trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Un petit peu ma déception de la box, c'est ça. Donc, ce sont des badges. Donc, j'ai reçu deux badges. Je vois pas vraiment en quoi je peux en servir. Donc, c'est sympa. Donc, c'est pas non plus un gros flop, c'est juste que je pense que je vais rien en faire. Voilà, c'est des badges tout simplement qui coûtent 7,50€ quand même, un lot de 3, donc 7,50€. Quoique je sais pas trop si ça fait cher, c'est juste que vu que j'en ai pas l'utilité, je trouve ça cher. Mais au final, 7,50€ les 3, c'est pas forcément si cher que ça. Donc ensuite, on a reçu un petit échantillon d'huiles essentielles. Et ça, vraiment, je pense que je vais m'y atteler. Je vais voir ce que ça donne. Donc c'est voilà, un petit flacon d'huile essentielle. Celui-ci est à l'eucalyptus. Et on reçoit un fascicule pour nous expliquer comment l'utiliser, quelle dose et tout ça. Donc je pense que je vais me mettre à lire ça. Parce que ça peut être plutôt sympa. Ça peut être ouais, vraiment sympa. Donc c'est à l'eucalyptus. Et normalement, ça coûte entre 5€ et 6,50€. Donc si vous avez déjà utilisé des huiles essentielles, n'hésitez pas à me dire comment vous les avez utilisées, parce qu'en fait j'ai jamais vraiment utilisé donc ça. Donc ensuite, quelque chose que j'ai vraiment trop hâte d'utiliser, parce que j'ai déjà entendu parler de cette marque sur beaucoup de chaînes YouTube et même sur des articles de blog, c'est la marque Shi. Et là on a reçu, je sais pas vraiment à quoi ça sert, enfin je sais que Shi c'est pour les cheveux, et donc c'est un petit flacon que je vais vous montrer, qui est d'ailleurs très joli. Un petit flacon comme ceci. Donc voilà, je sais que c'est pour les cheveux. Je sais que ça coûte donc 5,28€. Donc c'est un traitement. Ils mettent traitement léger, idéal pour les cheveux et la peau. Donc je sais pas du tout comment ça se présente. On va voir ça. Ça sent bon. Après je sais pas, franchement il faut que je teste, mais je sais que Shi c'est une très bonne marque pour les cheveux. Pour la peau je savais pas, mais pour les cheveux j'en ai beaucoup entendu parler, donc j'ai été vraiment contente de trouver ça dans ma box. Donc ensuite j'étais aussi très heureuse de voir qu'on avait un produit maquillage dans notre box. Et donc c'est un jumbo de la marque Noir C'est Noir, donc rétractable, qui coûte 5€. Donc voilà, c'est juste un jumbo noir tout simplement, il s'ouvre, il se referme. Donc voilà, il est noir, il est vraiment très très pigmenté et je l'utilise pour les liners en fait un peu fumés, et je pense que je vais beaucoup m'en servir pour les fêtes, donc pourquoi pas faire un tuto avec, sachant que ça coûte que 5€, donc c'est vraiment un prix très raisonnable pour en termes de maquillage. Donc voilà, moi je m'en sers en eyeliner et je le fume un petit peu. Et je trouve ça vraiment sympa. Donc j'étais quand même contente de trouver un produit de maquillage. Donc ensuite on a reçu une huile corporelle que je n'ai pas testée encore. Donc à la Maria Rita. Donc voilà. C'est un petit tube en fait. Ils disent que c'est une huile. Donc une huile qu'on frotte en fait sur son bras ou quelque chose comme ça. Et que ça devient chauffant et que c'est quelque chose de très agréable. Donc pourquoi pas essayer. Ça a l'air de sentir bon. La Maria Rita ça sent bon généralement. Donc ça coûte 3,90€ normalement. Ça c'est un échantillon par contre, donc de 10 ml. Donc là j'étais vraiment super contente de recevoir ça parce que j'ai un amour fou pour les shampoings secs. Donc on a reçu une miniature du shampoing sec de chez Baptiste, donc qui est vraiment très très connu. Moi j'utilise le brunette généralement, mais celui-ci peut être vraiment bien aussi. C'est celui qu'on voit le plus en vente et sur YouTube, parce que je crois que c'est le basique en fait. Donc voilà, j'étais vraiment super contente de trouver un mini shampoing sec Baptiste, sachant que c'est super pratique ce format, parce que on peut le mettre tout simplement dans sa trousse de toilette, et moi qui fais des allers-retours entre mon appartement et chez mes parents, c'est vraiment super pratique. Ensuite on a reçu un petit goodies, donc un headband que ma foi j'aime beaucoup. Donc je vais vous le présenter, là je l'ai sorti de son emballage, qui est comme ça, et donc en fait qui fait très rock, que je trouve vraiment sympa. Donc il coûte 2,90€, enfin le prix d'un headband, et je le trouve voilà vraiment super joli. Je n'avais pas des comme ça, j'avais plus des romantiques avec des petites fleurs, des tressés, mais j'avais pas avec
des sortes de petits clous, mais vous voyez, c'est pas du tout épais. Et donc voilà, je trouvais ça sympa comme petit goodies aussi à mettre dans les cheveux. Donc ensuite, on a reçu quelque chose pour se laver les mains. Et je trouvais ça vraiment pas mal, de la marque Palmolive. Donc un pouce mousse au citron qui sent aussi vraiment très bon. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà essayé. Voilà, c'est quelque chose d'assez basique qui coûte normalement 3€. Et donc voilà, j'étais quand même contente de l'avoir dans ma box, sachant que c'est un grand format et que c'est toujours sainement à acheter. Voilà, pourquoi pas, franchement c'est vraiment pas mal. Donc ensuite j'étais aussi très contente de voir, et là c'est impeccable parce que je pense que je vais vite m'en servir dans un tuto de Noël que vous avez peut-être déjà vu d'ailleurs, je sais pas trop quand je vais poster cette vidéo, mais c'est un vernis vraiment super bien pour les fêtes, je sais pas si vous allez pouvoir voir la couleur, mais en fait c'est un argenté avec des paillettes, donc de la marque Astrolac. Donc c'est tout simplement un vernis pailleté argenté qui coûte normalement 2,50€, donc ils mettent vernis à ongles longue tenue. Donc je vais le tester, mais vraiment moi je suis toujours très heureuse de recevoir des vernis, sachant que le flacon est vraiment très gros, je sais pas si vous pouvez vraiment vous rendre compte, mais le flacon est vraiment gros, donc pourquoi pas. Donc ensuite on a reçu une crème de douche à la noix de coco, donc malheureusement je n'aime pas trop cette odeur, ça sent vraiment la noix de coco. Ouais, ça sent la noix de coco. Donc si vous aimez la noix de coco, vous allez être comblé. Après, sur le principe, je trouve ça vraiment bien de mettre donc un gel douche. Comme vous pouvez voir, il est en full size. Et c'est toujours bien. J'aime beaucoup les gels douche. Donc après, c'est juste la coco que j'aime un peu moins, mais c'est vraiment pas grave. Donc normalement, il coûte 2,29€ et c'est de la marque Les Achats Malins. Et dernier produit que j'adore de la marque Palmer, c'est un lait nutritif pour le corps au beurre de cacao. Donc je l'ai déjà utilisé. Ça sent le chocolat, c'est la folie. Ça sent mais tellement bon. Je crois que c'est mon gros coup de cœur de cette box. Donc voilà, c'est tout simplement un lait pour le corps. Je me l'applique après la douche, surtout sur les bras et les jambes. Et je trouve ça vraiment super bien. Donc j'étais vraiment très contente d'avoir ça. En plus, j'ai pu découvrir la marque Palmer qui coûte, donc ça coûte 2€. Donc vraiment, c'est vraiment pas cher. Donc ça fait toujours plaisir de recevoir un lait pour le corps dans ces box. Je trouve ça vraiment très bien. Donc pour vous donner un petit peu une idée de combien peuvent coûter ces box, il me semble que celle-ci coûtait dans les 29,90€ avec une valeur d'achat en fait de environ 130€. Et si je vous ai présenté en fait cette box, c'est parce qu'ils en ont sorti deux pour les fêtes. Donc si je regarde ici, c'est parce que là, c'est là où je les ai regardées. Donc je vous mets bien sûr le nom du site ici qui s'affiche et je vous mets tout en barre d'informations. Sachant comme je vous ai expliqué, vous pouvez voir à l'avance ce qu'il y a dans les box, donc c'est vraiment super intéressant. Donc ils en ont une qui s'appelle Midnight Routine. Avec 14 produits qui coûtent 36€ au lieu de 192€, et celle-ci elle a l'air vraiment très bien. Il y a une petite palette essence que moi j'adore, il y a aussi un produit chi, il y a du vernis, il y a enfin voilà, allez voir après sur le site, je sais pas du tout si vous allez pouvoir voir, mais allez voir sur le site, tout est expliqué. Et ensuite ils en ont une autre qui s'appelle Get Ready, et il y a 11 produits donc pour être prête pour les fêtes qui coûtent 30€ au lieu de 114€, avec aussi vraiment tout pour se coucouner, vraiment des choses vachement sympas avec donc beaucoup de produits, une dizaine en général. Donc je pense que ça peut être vraiment une très bonne idée de cadeau de Noël ou une idée à vous faire à vous-même. Donc comme je vous ai expliqué, vous pouvez voir à l'avance ce qu'il y a à l'intérieur. Après pourquoi pas personnaliser le cadeau en, quand vous le recevez chez vous, mettre tout ça dans une boîte ou faire un menu vous-même ou quelque chose comme ça. Je pense que Bitrousse, ce site est vraiment très bien. Ça fait deux box que je teste et à chaque fois je ne suis pas déçue. Il y a toujours une large gamme de produits avec vraiment des produits que moi j'adore. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en barre d'informations si vous aimez ce site, si vous avez déjà testé des box, s'il y a des box que vous préférez autre que Bitrousse tout simplement. Donc n'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous mets tous les liens en barre d'informations. Tout est aussi à la fin de la vidéo. Je vous fais à tous de très très gros bisous et à très bientôt.